منكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك فإني عليك لقوي أمين. Et nous a garanti la bénédiction des actes précités en disant dans la sourate de Trévo, en ces versets 14 et 15, ce qui suit. Réussit certes celui qui se purifie en donnant son aumône de rupture, en donnant son aumône de rupture de jeûne. Invoque son Seigneur par ses noms et attributs et célèbre la prière de la fête. En effet, combien d'années avions-nous passé en ayant comme souci majeur? Comment pouvons-nous prier sur cet espace un jour pluvieux? Combien d'années avons-nous passé en ayant comme vœu ardent? Comment trouver les moyens financiers pour aménager ce lieu de prière qui est inondé pendant la saison pluvieuse et devient impraticable pour tout besoin? Alors aujourd'hui, nous adressons toutes nos louanges et grâces à Dieu qui a permis la construction des deux grands et gros bâtiments séparés l'un de l'autre, un pour les hommes et le second pour les femmes, selon les principes islamiques, et accompagnés d'infrastructures sanitaires modernes pour chacun d'eux, ce qui nous permettra d'en faire recours en cas de besoin pendant les saisons pluvieuses. Encore une fois, nos remerciements et nos reconnaissances à Dieu qui a permis le remblayage bien damé de cet endroit avec des tuyaux d'évacuation d'eau vers les caniveaux. Sachez que l'objectif de ce projet n'est pas au départ de servir d'abri pour nous les jours de fête en cas de pluie, mais plutôt de loger les pèlerins dans des conditions décentes mieux qu'auparavant, avant leur départ pour le pèlerinage et après leur retour dans la période d'attente de leur bagage. Chers frères et sœurs en Islam, sans chercher à savoir l'initiateur et le bailleur de ce grand projet, oh combien utile et indispensable pour nous, ma question est de savoir, mérite-t-il de notre part des bénédictions ou des malédictions? Mérite-t-il de notre part des éloges et félicitations ou des critiques et dénigrements? Sans doute, nous nous permettons de répondre à votre place en nous basant sur l'enseignement du prophète Mohammed, qui dit ceci: quiconque vous faire un bien, rendez-le lui par un autre bien. Au cas où vous ne serez pas en mesure de le lui rendre par un bien équivalent, priez Dieu en sa faveur jusqu'à ce que vous remarquiez que vous lui avez rendu le bien qu'il vous a fait par le bien de la de vos prières. À cet effet, nous prions Dieu en disant à Allah, le tout et le très miséricordieux. Oh Allah, celui qui nous a rendu facile notre difficulté, facilite-lui cette difficulté. Oh Allah, celui qui nous a honoré par la concrétisation de ce projet, honore-le aussi de tout ce dont il a besoin, en termes de santé, paix, discernement, protection, bénédiction et réussite. Oh Allah,
accepte nos prières et jeûnes. Pardonne-nous nos péchés. Exauce nos vœux. Compte-nous parmi ceux qui vont réaliser plusieurs mois de Ramadan sur terre. En parfaite santé, dans la quiétude et en pleine croyance. Nous saluons les autorités qui ont honoré de leur présence à la prière aujourd'hui. À la personne de monsieur le préfet de l'Atlantique et du littoral, monsieur le maire de la ville de Cotonou et ensuite la CA du premier arrondissement. Soyez aussi honorés et que les bénédictions de la fête d'aujourd'hui vous comblent et nous comblent tous. Bonne fête de Ramadan à tous et à tous. Vive la communauté musulmane, vive le Bénin, subhanallah.